Ah oui, bien sûr. Ah bah non, au contraire. Ah bah si, tu penses bien. Ok, Stéphane. On en reparle la semaine prochaine au bureau, Stéphane. Merci de me faire confiance. Tu ne seras pas déçu, tu verras, Stéphane. Ouais, bonne soirée à toi, Stéphane. Devine qui c'était? Je sais pas. Stéphane! Mon nouveau patron! Ben, je ne savais pas qu'il s'appelait Stéphane! Ben, je t'avoue que moi non plus! Quand il a racheté la boîte, il a commencé par virer 10 personnes. Jusqu'à présent, pour moi, c'était Monsieur Zimmerman. Et maintenant, vous vous tutoyez? Ouais, et c'est pas fini. Il me confie le web marketing d'un nouveau client. Ben tiens, celui qui fabrique les caves à vin, justement! Non! Et si ça se passe bien? Il m'a laissé entendre que je serai bientôt promu responsable du budget. Ah, mais c'est génial! En attendant, il me propose une augmentation. Oh, mais je suis fière de toi, mon gars. Merci, ma chérie. Écoute, je voulais attendre un peu avant de te le dire pour être vraiment sûre. Mais moi aussi, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Bon, raconte. J'ai reçu un mail tout à l'heure. Une maison de prod à qui j'avais envoyé mon premier scénario. Et alors? Ben, ils sont intéressés. Ils parlent de me signer une option. Une option? Ben, un pré-contrat, si tu préfères. Combien? Comment ça, combien? Ben, le contrat! Combien? Non, mais pour l'instant, il n'y a pas d'argent. C'est juste une option avec une clause d'exclusivité pour que je n'aille pas proposer le sujet à quelqu'un d'autre. Tu comprends? D'accord. Non, mais... ça veut dire que le scénario les intéresse. C'est un petit producteur indépendant à Marseille. Évidemment, s'il décide de tourner le film. Waouh! C'est super ça! Moi, bientôt responsable du budget, et toi qui vends ton premier scénario. Waouh! Ouais, je ne sais pas pourquoi, mais je crois qu'on est sur une pente ascendante. Oh oui, moi aussi. J'ai l'impression qu'on est en train de passer un cap. Oui. C'est Christelle. Ils apportent du rouge. Et si tu réglais ta canne à verre sur champagne, on pourrait fêter ta promo et la signature de mon premier contrat. Avec Patrick et Christelle. Tu as raison. Il vaut mieux qu'on fête ça en amoureux. De toute façon, il n'est pas à la bonne température. On verra ça tous les deux quand on sera tranquille. Bon, en attendant, je vais les mettre au frigo. Le champagne, c'est meilleur quand c'est bien fait. Et cette histoire de bateau, c'en est où? Ah, ça y est, Patrick en a trouvé un. Une occasion sur le bon coin. Une affaire, apparemment. Comme la caravane, combien? Ah, bah, je ne sais pas, il me dira tout à l'heure quand il viendra. Bon, le problème, c'est que pour l'instant, il est encore à quai à Saint-Brieuc. Il va falloir qu'on trouve une remorque. Une remorque? Bah, pour le transporter à Concarneau. Bah, je pensais d'un bateau pour aller de Saint-Brieuc à Concarneau. Attends, ça fait presque le tour de la Bretagne. Tu sais, c'est quatre petits voiliers. Et nous, on n'est que des marins d'eau douce. Je ne suis pas encore prêt pour la route du Rhum, tu vois. Super. Une année de plus en Bretagne avec Patrick et Christelle. Et moi aussi, j'aimerais bien pouvoir changer de temps en temps, mais la Bretagne, ça a quand même certains avantages, non? Bah déjà, on se ruine pas en crème solaire. Mais sans compter qu'on a pas d'avantage, c'est moins payé. Ouais. Tu t'imagines ce que ça nous coûterait si on devait louer une villa à Concarneau? En même temps, moi j'appellerais pas ça une villa. Moi j'appellerais ça un bégalot plutôt. Pas toi? C'était la maison de sa grand-mère. Oui, et ils n'ont jamais fait de travaux depuis qu'ils en ont hérité. Oh. Et puis... Concarneau... C'est quand même là qu'on s'est connus, non? J'avais 16 ans quand on s'est rencontrés la première fois dans cette boîte avec Patrick. Tu te souviens? En fait, je n'en avais que 15. Et le videur était un cousin de ma copine. Ouais. Et moi que tu as choisi. Mais qui tient vraiment à ce voilier? C'est une idée de Patrick. Ça a l'air de lui faire tellement plaisir. Si c'est pour faire plaisir à Patrick, alors? Ils ne nous ont jamais rien demandé financièrement pour la maison. Ce sera une façon de participer aux frais de vacances. Et moi alors? Qu'est-ce que je ferai pendant que vous serez sur ce voilier? Je parlerai chiffon avec Christelle?
m'ennuie tellement avec elle. Ils sont très gentils tous les deux, mais il faut bien reconnaître que... Oui, ils sont un peu beaufs. On est presque amis d'enfance, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu veux? On n'a pas évolué dans le même sens. À la longue, ça finit par se voir un peu. Bah, lui, maître nageur, elle, coiffeuse, on a de moins en moins de choses à se dire. Ouais. Mais de quoi parlez-vous quand vous êtes tous les deux avec Patrick? Ben moi, si je dois discuter avec une coiffeuse, je vais chez le coiffeur. Personne ne part en vacances avec sa coiffeuse. Ouais, tu as raison. Ces gens-là ne nous tuent pas bien. C'est triste à dire, mais quand on est dans une montgolfière et que l'on veut s'envoler, il faut savoir lâcher du lest. Un bateau, c'est une montgolfière. Quand on veut passer un cap et que le bateau est surchargé, faut avoir le courage de sacrifier quelques poids morts pour continuer sa route et découvrir de nouveaux continents. C'est clair ça, mais qu'est-ce que tu veux dire par là exactement? Les copains d'abord, c'est bien gentil, mais quand on a l'impression que le bateau est en train de s'enfoncer, les copains, il faut avoir le courage de les jeter par-dessus bord pour rester à flot. Et moi, Patrick et Christelle, j'en ai jusque-là, figure-toi. Alors oui, Christelle, ma chérie, oui, hâte de savoir de quoi il s'agit. D'accord, à tout à l'heure ma chérie. Ils sont un peu en retard, mais ils arrivent. Et ils ont une bonne nouvelle à nous annoncer. Ouais, une bonne nouvelle. À ton avis, qu'est-ce que ça peut être pour eux? Une bonne nouvelle. Oh, je sais pas, ils ont dû changer de machine à laver en Bretagne. Ouais, ou installer les toilettes à l'intérieur de la maison. Oh, mais là, il faut pas trop rêver quand même. Et au fait, je t'ai dit que Stéphane avait une villa à Saint-Rémy. Saint-Rémy-les-Chevreuses. Saint-Rémy de Provence. Une résidence secondaire, si tu préfères. Avec piscine, tennis et tout. Non. Et juste à côté de celle de Michel Bruguière. Oh, c'est très bon, la Provence. Hein. Pour la Côte d'Azur, bon, ça c'est fini. C'est trop bon, plus long. Ils sont tous là-bas, en Provence. Ah, il t'a invité? Pas exactement, mais... Il a dit devant moi que c'était l'endroit idéal pour se retrouver l'été entre amis. Alors maintenant qu'on se tutoie et qu'il m'appelle par mon prénom... Évidemment. Si on n'est pas disponible, il ne nous invitera même pas. Mais il sait qu'on passe tous les étés en Bretagne. En tout cas, je ne m'en suis pas vanté. Saint-Rémy de Provence. C'est sûr que ça fait plus rêver que Concarneau. Mais pour ton scénario, mais ce serait super ça. Tout le showbiz se retrouve là-bas au mois d'août. Les gens de la télévision, du cinéma. Ils sont pas Concarneau, en tout cas ça c'est sûr. Mais j'y pense. Il n'y a pas un festival du film à Concarneau. Le festival de Concarneau, ça me dit quelque chose. Locarneau, le festival de Locarneau. Ah oui, t'as raison. Ça m'étonnait bien aussi. Locarno, c'est en Italie, sur le lac Majeur. Bah, tu penses bien que s'il y avait un festival à Concarneau, ce ne serait pas un festival de cinéma. Je ne sais pas, moi. Le festival de l'Amoureux, peut-être, ou du Bigorneau. Ouais, en attendant, à moins d'un miracle, cette année, ce sera encore la Bretagne. Et avec la chance commune de se voiler en entrant pour Perpète. Ouais. Tu pourrais pas trouver un moyen de se défiler? Ce sont des amis quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait bien leur dire, hein? On devait partir en vacances avec vous cette année, comme tous les ans, mais on a décidé que vous n'étiez plus assez bien pour nous. Oh non, alors là, sur le coup, ils vont se vexer, hein? Présenté comme ça, ils ne comprendraient pas, c'est sûr. Il faudrait trouver un moyen de se décommander sans les froisser. Ouais, mais ça va pas être évident. Ça fait des années qu'on part en vacances ensemble, et Patrick qui se lance dans l'achat d'un voyage avec toi, non. Une excuse bidon, ça n'a pas suffi. Non, il faudrait trouver un truc imparable. Le genre de chose qui coupe court à toute décision. Bon, en attendant, je vais aller m'occuper de la cuisine pour ce petit dîner en famille. Et qu'est-ce que tu nous as préparé de bon? Moi? Rien, mais... Picard nous a concocté un tronçon de cabillaud gratiné avec un écrasé de pommes de terre. Que ça m'a l'air bon tout ça. C'est du poisson bagnole et de la purée. Ah.
quoi? Non, il est en train de se garer. Non, mais c'est de plus en plus difficile de se garer dans votre quartier. Comme on a la petite, je lui ai demandé de me déposer d'abord. Oh, mais tu ne m'avais pas dit que tu venais avec ta petite fille. Oui, ça va, Sabrina? Ses parents sont en vacances. C'est la fille de la voisine qui devait la garder. Mais elle a les oreillons. Oh, la fille de la voisine, elle a les oreillons. Non, Sabrina. Quoi? Les oreillons? Là, elle dort, heureusement. Hein. Je vais donner une cuillerée de sirop. Oui, pour les oreillons. Mais non, pour la faire dormir. Comme ça, elle nous foutra la paix pendant le dîner. Parce que depuis ce matin, elle n'arrête pas de brailler. Bah, tu peux la mettre dans la cave, si tu veux. Dans la cave? Non, je veux dire, dans la chambre. Tu peux la mettre dans la chambre. Et tu es sûr que ça va? C'est pas contagieux, au moins. Impossible. Mais tu les as déjà eu, les oreillons. Ah, ça, je sais pas. Je suis désolée. J'ai complètement oublié de demander. Non, parce que les oreillons pour les hommes... Eh bien, ça peut provoquer des complications. Oh, quel genre de complications? Des problèmes de stérilité, par exemple. Mais non, tu les as sûrement déjà eu quand tu étais petit. Oh là là. Oui, probablement, oui. Bon, je vais attendre un peu avant de la mettre dans la chambre. Je vais être sûre qu'elle ne va pas se réveiller. Hé, Juliette n'est pas là? Si, elle est dans la cuisine. Et toi, je te trouve bizarre depuis tout à l'heure. Il y a un problème, hein? Non. Enfin, quoi? Bon, écoute, je ne voulais pas t'en parler tout de suite. Mais Juliette non plus ne va pas très bien. Juliette? Ne me fais pas peur. Ce n'est pas grave, au moins. J'espère que ça ne va pas l'empêcher de partir en vacances avec nous. Elle vient d'apprendre qu'elle avait un cancer. Un cancer? Ma Juliette, un cancer? Oui, elle va pas mourir. C'est pas un cancer grave. Pas grave? Si, mais... Mais je comprends pas. Elle est venue se faire recoiffer la semaine dernière dans mon salon. Elle avait l'air en pleine forme et elle m'en a pas parlé du tout. Oui, et bien tu vois, on a reçu le résultat du labo ce matin. Oh merde. Et c'est un cancer de quoi? Je ne sais pas. Enfin, je veux dire, on ne sait pas encore exactement. C'est un cancer. C'est un cancer du pied. Un cancer du pied? Oui, enfin, c'est une sorte de coron-pied potentiellement cancéreux, si tu veux. Ah, merde! Évidemment, ça remonte tous nos projets. Notamment nos projets de vacances. Mais je sais pas quoi te dire. En tout cas, tu ne lui en parles pas, hein? À moi que ce soit elle qui t'en parle la première. Hein. Mais bien sûr que non, mais tu connais ma discrétion. Et si je devais répéter tout ce que j'entends dans le salon de coiffure, tu sais. Et puis, vous savez que vous pouvez compter sur nous, hein, tu le sais. Hein, oui. Que si vous avez besoin de quoi que ce soit. Oui, bien sûr. Oh là là, mais on est amis, non? Bien sûr, mais vous ne savez pas non plus. Et tu sais, le cancer, c'est pas comme les oreillons. Ah bon? Non. C'est pas contagieux. Bon, écoute, hein, je vais t'aider à porter tout ça dans la chambre. Tu prends le relais. Ah, oh, Patrick. Salut, ma poule. Sandra, où est là? Ils doivent être dans la chambre en train de coucher la petite. Enfin, j'espère que c'est bien ce qu'ils sont en train de faire. Parce que j'aime pas trop arriver chez un fauve et le trouver dans sa chambre avec ma femme. Et vous êtes venu avec le bébé? Ouais, figure-toi qu'elle a la rougeole. Non, mais alors, je crois que c'est plutôt les oreillons. Tiens, je lui ai apporté une bouteille de pif. Côte de Provence, merci. Mais c'est du rouge ou tu te l'as? Moi, c'est du rosé, hein. Tu peux la mettre au frigo, parce que le rosé, ça se boit bien frais. C'est Vincent qui va être content. Ah, et pourquoi ça? Bon, il t'expliquera. Mais au fait, je voulais te demander, pour le bateau... Mais oui, Vincent t'a dit, ça y est, je l'ai trouvé, notre voilier. Oui, bah dis ça, mais... Et tu sais comment il s'appelle? Qui? Mais le bateau, notre bateau, tu sais comment il s'appelle? Non. Les copains d'abord. C'est pas un signe, ça, hein? Si, bien sûr, mais je voulais juste... Le problème, c'est que maintenant, il faut que je trouve la remorque. Mais tu l'as déjà payé, le bateau? Mais ouais, c'est un peu pour ça qu'on vient aussi, parce que c'est quand même pas donné, hein, évidemment. Si j'avais pu, je l'aurais payé tout seul.
Mais là, je t'avoue que si Vincent pouvait me faire un chèque de la moitié, eh bien, ça l'arrangerait. C'est justement ça qui risque d'être compliqué. Ben, comment ça, compliqué? J'en avais discuté avec lui. Quand? Ben, pas plus tard qu'hier. Eh bien, tu vas pas le croire, mais Vincent vient d'apprendre aujourd'hui qu'il était licencié. Licencié? Ah merde! Mais il m'avait dit que tout marchait bien et que son patron était très content de lui. Alors, pour le bateau, évidemment, ça risque d'être un peu difficile. Ah non, mais ne t'en fais pas. Pour le bateau, on va s'arranger. Et s'il le faut, je le paierai tout seul. Il nous remboursera quand il pourra. Allez, ne t'inquiète pas. Non, mais ce n'est pas seulement le bateau, malheureusement. C'est les vacances. Mais quoi, les vacances? Ben, la Bretagne, tu comprends? On ne va pas avoir les moyens de... Ah non, mais ça ne vous coûte rien. On vous invite. Ce n'est pas parce qu'on est chômeur qu'on n'a pas le droit de prendre des vacances, hein? Non, mais il faut qu'elle s'arrête là pour chercher un autre boulot, tu vois. Bon, mais la courant après les vacances. Non, franchement, je vois une bonne idée. Il a hâte de trouver un job. Ce ne serait pas vraiment des vacances pour lui, tu comprends? Ouais. Et puis, au cas où il y aurait un contrôle de Pôle emploi. Ah oui, c'est vrai, Pôle emploi. Ah merde! Ah, salut mon Patrick, comment tu vas? Ben moi ça va, et toi mon pauvre vieux, hein? ça peut aller, hein? Bonjour Juliette, tu vas bien? Ça va. Enfin, je veux dire le boulot. Tu as réussi à trouver une place? Ouais, je me suis garé sur la place de livraison de Pôle emploi. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de livraison le soir, hein? Non. Ah, désolé Vincent, j'ai pas dit Pôle emploi pour toi, hein? Ah, tu as porté du vin? Eh oui, tu m'as même envoyé un SMS pour savoir si c'était du rouge ou du blanc. C'est Christelle qui t'a répondu. Oui. Moi, je conduisais. Et en fait, c'est du rosé. Oh merde, du rosé! Voilà, vous n'aimez pas le rosé? Mais en fait, Patrick, tout le monde aime le rosé. Mais non, mais c'est-à-dire que je ne sais pas trop à quelle température ça se boit. Vincent a acheté une canne à vin. Oui! Oh, regarde, dis-donc! Une canne à vin! Oh merde, alors! Non, mais dans le salon, ça va nous encombrer, non? Et si on mettait ça à la cave? À la cave? C'est une canne à vin, non? Bon, oui, on marque. Pourquoi pas, ouais. Bon, le rosé, je vais le mettre dans le frigo. Ouais, tu as raison, parce que le rosé, ça se boit bien après. Dis-moi, Vincent, tu veux un coup de main pour transporter tout ça? Mais ok, mais je vais d'abord descendre voir à la cave où je peux l'installer. Attends, je viens avec toi. Alors, dis-moi, comment ça marche ce canne à vin? Bon, écoute, pour l'instant, je suis encore en phase de rodage, mais bon. Oh, Juliette, Pierre, je suis vraiment désolée pour ce qui vous arrive. Ce qui nous arrive? Oui, Vincent m'a dit pour la mauvaise nouvelle. Ah, oui, je lui avais promis de ne pas t'en parler. Non, les amis, non? Oui. Et si on ne peut pas se confier à ses amis quand on traverse des moments pareils? Bien sûr. Eh bien, tu vas t'en sortir. Moi? Oui. J'ai plein de clients au salon qui sont passés par là. En général, les femmes, elles n'aiment pas trop parler de ça. Mais tu sais, un salon de coiffure, c'est un peu comme un confessionnal. Ah, oui. Alors, dis-moi, parce que Vincent n'a pas été très clair. C'est quel type de cancer? Ça te gêne d'en parler, mais tu sais que ça te ferait du bien de te confier à une amie. Bon, écoute, je vais la laisser ici pour l'instant. Mais tu ne lui as pas dit? Bon, Juliette m'en a parlé, mais bon, c'est pas si grave que ça quand même, il n'y a pas mort d'homme. Mais comment ça, pas grave? Mais évidemment qu'ils vont s'en sortir aujourd'hui, on a fait beaucoup de progrès. Mais bon, de là à dire que c'est pas grave. Ah, mais j'ai confiance en mon Vincent, moi. Il a toujours su rebondir. Il va retrouver vite fait du boulot. Hé, mon Vincent! Vincent? Ouais. Excuse-moi, mais j'ai préféré leur dire pour ton licenciement. Ah oui! Ah, parce qu'en plus de ça, Vincent a perdu son boulot. En plus de quoi? Bon, je suis désolée, j'avais promis de ne pas en parler. Mais parler de quoi? Mais Juliette a un cancer! Mais dis-moi, c'est pas vrai! Non, mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. Bon, c'est juste que pour les vacances... Oui, c'est ça, c'est juste que pour les vacances... Mais c'est un cancer de quoi? Un cancer du pancréas. Oh. Mais Vincent m'avait dit que c'était un cancer du pied. Ne me dis pas que c'est déjà en train de se généraliser. On est en train de faire des examens complémentaires. Oui, il paraît qu'en médecine chinoise, le pancréas et le pied, c'est très lié. Bon, écoute, moi je vois au salon la femme d'un très grand professeur du cancer, le professeur Bishmut.
En général, pour avoir un rendez-vous avec lui, c'est bien plus compliqué que d'avoir un rendez-vous dans mon salon de coiffure, crois-moi. Hein. Mais Marie-Agnès, sa femme, m'a dit que si un jour j'avais un problème, eh bien qu'elle mettrait mon dossier sur le dessus de la pile. Eh bien, je vais lui en parler. Oh, mais tu sais, c'est peut-être pas la peine de la déranger, tu sais. Mais attends, Juliette, on est amis, oui ou non? Mais oui, bien sûr, mais... Et ce type-là, à l'hôpital, on le considère comme un dieu. Il paraît qu'il fait des miracles. Et puis ouais. Moi, Vincent, pour ton boulot, je vais voir ce que je peux faire. Tu sais, moi aussi, à la piscine. Mais je vois passer pas mal de monde, hein. Ah oui. Merci, je suis très touché, mais... En tout cas, pas question de vous laisser abattre. Ah, on part tous en Bretagne cet été. Ma mère, ça vous fera le plus grandir à tous les deux, hein. Ouais. Et puis, pour le bateau, ne t'inquiète pas, hein. Bon, c'est vrai que c'est pas trop le moment pour nous, mais bon, s'il le faut, je le paierai tout seul et tu me rembourseras quand tu pourras, hein. Allez. C'est pas quoi dire. Eh bien, tu dis rien. Attends, mais c'est comment il s'appelle ce bateau? Non. Dis-lui, toi, Christelle. Oui, ami pour la vie. Non, en fait, c'est les copains d'abord. Alors, vous voyez bien, vous n'êtes pas tout seul, hein. On est là, hein. Oh, je vais m'en occuper. Tu viens m'aider? Je suis tellement chamboulée, je vais m'en sortir toute seule. Je viens, oui. Non, mais un cancer du pied! Non, mais t'as pas trouvé mieux! Écoute, j'ai improvisé! Mais c'est la première chose qui m'est passée par la tête! Non, mais ça fait toujours plaisir! N'empêche que le coup de mon licenciement, c'est pas mal non plus, hein! Ah, tu trouves? Bah, disons, on peut toujours guérir d'un cancer! Mais moi, qu'est-ce que je vais leur dire après mes vacances? Qu'ils m'auraient embauché? C'est clair qu'on aurait mieux fait de se concerter un peu avant! L'improvisation, ce n'est jamais très bon! Je sais pas trop comment on va s'en sortir maintenant! Tu as raison. Ils ne vont jamais nous lâcher. C'est vrai qu'ils sont très gentils, mais bon. Ils sont surtout très collants. Oui, le préparateur, tu crois t'en être débarrassé et tu te rends compte qu'ils te collent encore au masque. Ils sont pas bretons pour rien. Tu fais peur. Ça y est, on l'a chargée et elle s'est rendormie. Ouais. Bon, avec un peu de chance, on va quand même réussir à passer une bonne soirée. Hein. Oui. En fait, je veux dire, compte tenu des circonstances. Allô? Allô? Oui? Ah, salut Marco! C'est Marco! Ouais? Oh, ben super! Justement, là, je suis avec Vincent. Oui? Super, je te revendrai ça. Salut ma poule! À plus! C'était mon pote Marco. Son pote peut nous prêter une remorque pour transporter le bateau. Oui. T'as une boule, toi. T'as une boule. Ben, c'est ta bagnole pour accrocher la remorque. Ah oui. Allô. Mais c'est pas grave. J'en mettrai une sur la mienne. Ça y est, mon ami. On l'a notre voyer. C'est ma casse pour nous faire le plus grand bien à tous. Oh oui. Non, 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 pas du tout. Vous m'excusez deux minutes. C'est Stéphane, son patron. Patron? Celui qui l'a foutu à la porte? Oui, il continue de l'appeler Stéphane. Non, mais c'est ça son problème, Vincent. Il est trop gentil. Il y en a qui m'abusent, hein? Oui. Oh oui, trop bon, trop con, hein? Et ils sont en train de négocier les conditions de départ. Bon, il va pas avoir grand-chose à négocier. Ça fait quand même pas si longtemps que ça qu'il est embauché. Je sais pas, moi. Mais dans quel monde on vit, je te jure. Non, mais vivement les vacances, hein. Ah, mais écoutez, vous les vacances, ça va vraiment être compliqué. Mais lui, il veut pas vous laisser abattre, Juliette. Mais avec ce qui vous arrive, mais ça vous fera le plus grand bien à tous les deux. Mais justement, c'est de partir tous les deux. C'est ça qui ne va pas être possible. Mais pourquoi? Eh bien, parce que... On va divorcer. Quoi? C'est pas possible. Mais dis-moi que c'est pas vrai. Non, mais... Pas maintenant, pas avec ce que vous êtes en train de traverser en ce moment. Vous devez vous signaler les cours de contraire. En fait, c'est un truc auquel on pensait déjà depuis un certain temps. En fait, je veux dire, bien avant d'apprendre cette avalanche de mauvaises nouvelles. Et là, on s'est dit, vraiment, ce mariage, ça ne nous porte pas chance, quoi. Il faut bien faire.
quoi. C'était vers ça, Juliette, quoi. Mais vous avez bien réfléchi. On va laisser passer l'été. Le temps d'y réfléchir, chacun de son côté. C'est pas vraiment. Alors, vous comprenez bien que pour les vacances... On ne peut pas les passer ensemble en Bretagne. On comprend, bien sûr. En tout cas... Pas la question qu'on choisisse entre vous deux et Christelle. Vous restez tous les deux nos amis et vous serez toujours les deux les bienvenus chez nous. Mais oui, et pour les vacances, eh bien vous n'avez qu'à venir à tour de rôle. Ah oui, vous n'avez qu'à venir profiter du bateau. Et oui, et puis ça vous fera partir moins longtemps chacun, parce qu'avec les problèmes que vous avez... Et oui, mais toi Vincent, tu pourrais venir la première quinzaine d'août. Oui. Et toi Juliette, la deuxième. C'est gentil, mais... Mais qu'est-ce que t'en dis, toi, Vincent? Je sais pas quoi dire. Eh bien, tu dis rien. Moi, quand même, ça m'en fout un coup, là. Moi aussi. Oui, quand je pense qu'on était témoins tous les deux. Non, mariage. Et maintenant. Bon, mais on va pas se laisser abattre non plus. Je vais aller m'occuper de la cuisine. Ben, Vincent, tu dois faire un apéritif. Vincent, je t'ai toujours soutenu. Mais là, tu ne peux pas lui faire ça. Pas maintenant. Pas avec ce qu'elle est en train de traverser en ce moment. Écoute, Christelle, c'est Juliette n'a pas toujours été exemplaire, mais elle t'aime, et c'est ça qui compte, non? Non, enfin, je veux dire, tout le monde a ses défauts. Et bien, elle aussi. Mais quand tu t'es fait opérer de tes amygdales, elle venait te voir tous les jours à l'hôpital. C'était les hémorroïdes. Mais c'est pareil. Mais tu peux me croire que c'est quand même bien plus grave que tes hémorroïdes, là, hein? Oui, parce qu'aujourd'hui, on a fait beaucoup de progrès, mais quand même, on sait jamais, hein? Oui, et puis, pourquoi te précipiter? Si ça se trouve, dans 3 ou 6 mois, tu seras veuve, alors, hein? Moi, je n'aurais pas dit comme ça. Mais je pense aussi que ce divorce, c'est pas une priorité, non? Ce sera prêt dans 5 minutes. Vincent, tu veux bien t'occuper du fer, je vais la servir. Tu ne l'as pas fait. Écoute, Juliette, je crois que vous êtes en train de faire la plus grosse connerie de votre vie. Tu crois? Bon, ok. Vincent a pu lui donner quelquefois un petit coup de canif au contrat de mariage, mais... Ah bon? Tu sais quelque chose? Pas spécialement. Mais c'est un homme, pas vrai? Tu sais, moi aussi, parfois, à la piscine, j'ai des tentations. Ah oui? Quoi qu'il en soit, Vincent t'adore, c'est évident. Oui, je sais, mais... Mais quoi? Bon, J'ai rencontré quelqu'un. Toi, tu as rencontré quelqu'un? Quoi, c'est chez moi que ça? Non, bien sûr, mais quand même. Figure-toi que, sexuellement, Vincent est de moins en moins entreprenant. Et moi, eh bien... Ne me dis pas qu'il est impuissant. Non, mais il vient de m'avouer qu'il est homosexuel. Oh. Oh. Non. Non. Mais je comprends mieux maintenant. Bon? Mais oui, je comprends que Juliette elle a envie d'aller voir ailleurs. Ah oui? Non mais franchement, ça fait des années qu'on les connaît. Et moi j'ai l'impression de les découvrir ce soir. Non mais c'est dingue, on croit connaître les gens et puis... Et toi, tu n'avais rien remarqué? Mais remarqué quoi? Mais qu'il était au moins. Mais voulais-tu que je remarque ça? Et vous passez beaucoup de temps ensemble pendant les vacances. Eh bien, quand vous partez tous les deux, pendant des heures, au large, en pédalo. Partir tout seul à faire de la voile avec lui. Maintenant que tu sais qu'il est voile et vapeur. Tu rencontres les pauvres. Hein? Un licenciement, un cancer, un divorce et maintenant un coming out. Tu sais, les emmerdes, ça vole toujours en escadrille. Oui, ça vole toujours en espadrille. C'est pour ça que, tu vois, je me demande si le fait d'apprendre que Vincent est homo, ça me perturbe pas plus que le cancer de Juliette, tu vois. Le cancer, on en guérit. Ah oui. Parce que quand tu es homo, hein.
tiens, justement, ils sont là, ces résultats d'analyse. Quoi? Quand même. Eh bien, si je dois en parler à la femme du professeur Bichmuth. C'est vrai, tu vois. Non, mais c'est normal, hein. Le jargon des médecins, on n'y comprend jamais rien. C'est à croire qu'ils le font exprès. Mais non, je veux dire... Quoi? C'est... Oui, c'est Stéphane. Dis donc, pour rédiger ta phrase, il me faudrait... Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Non, 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 non. C'est pas possible. Et le bateau? Mais ils s'en foutent de ton bateau, mais tu comprends pas. Aussi, je commence à comprendre. Ça a mis du temps. Mais là, je crois que ça commence à monter jusqu'au cerveau. Mais... Un licenciement, c'est minable. Un licenciement, un cancer, un divorce, tout ça c'était du baratin. Mais alors, Vincent n'est pas homo non plus. Mais non, il nous a mené un bateau, je te dis. Mais tu vois, mais moi je suis très déçu. Mais moi aussi, hein. Et voilà, on va pouvoir passer à table. Oui, il ne faut pas que tout ça vous coupe l'appétit. Vous nous rejoignez? Allez, santé. Il est pas mauvais. Oui, il est juste à la bonne température. On n'attend d'avoir tous les détails. Non mais,
Vous nous imaginez milliardaires, nous? Quel dommage que vous puissiez pas profiter de tout ça avec nous. Eh oui. Avec votre divorce, là, hein.
Non. En fait, non. Nous aussi, on a bien réfléchi à ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Il faut bien écouter les conseils des amis, non? C'est vous qui avez raison. On ne divorce plus. Ah. Mais comment ça? Je croyais que tout le monde... Moi, ça non plus, j'en suis plus très sûr. Oh. Ah, d'accord. Oh. Mais alors, vous seriez libre cet été? Ah, oui. Mais non, je suis bête, toi, avec ton cancer du pied. C'était pas le foie, plutôt? Le pancréas? Ah oui, le pancréas, et c'est pas le meilleur. Non, mais pas froid, on guérit. Oui, c'est ça, oui. Le professeur Bichmut, il fait des miracles, mais bon, quand même, il faut être réaliste, hein? Ouais. On voudrait pas vous donner de faux espoirs, non plus, hein? Non. Monaco, on va plutôt demander à Jackie et Michel. Hé, hey, Patrick! Ah ouais. Ou alors, on attend un peu pour voir s'il n'y aurait pas une erreur de diagnostic. On sait jamais. C'est dingue ça, hein Christelle? On dirait que maintenant, il regrette de ne pas pouvoir partir en vacances avec leurs vieux amis. Peut-être que parce que maintenant qu'on est milliardaire et qu'on a une villa à Monaco, hein. Ah, c'est sûr que c'est autre chose que de partir avec deux potes dans une bicoque à Concarneau. Mais non, enfin, pas du tout. C'est juste que... Ouais, ne te fatigue pas, hein. On est au courant pour ton soi-disant cancer et toi, pour ton licenciement. C'est juste sur le fait de savoir si Vincent est vraiment un enculé qu'on n'est pas encore sûr. Mais non, enfin, je vous jure. Et ton patron a laissé un message à propos de ta promo. Il faudra que tu le rappelles d'ailleurs. Vous êtes bien foutu de nous, hein. Alors comme ça, on n'est pas assez bien pour vous. Oh, enfin, ça c'était avant qu'on touche le gros lot. Ah, on est vraiment désolé. Allez, viens, Patrick, on s'en va. Va chercher la petite. Non, ok. On a déconné. On n'en pouvait plus de la Bretagne. Ça peut se comprendre. C'est vrai, ça. Vous êtes nés là-bas. Mais nous, on n'est pas bretons. Quand on rentre à la fin du mois d'août, on est tellement blanc que les gens croient qu'on part en vacances en septembre. Au début, on cherchait juste un prétexte pour se décommander. Sans vous vexer, parce que vous êtes de vrais amis. Et après, les choses se sont enchaînées. Bon, c'est vrai que ça a un peu dérapé. Ce doit être cette histoire de gâteau. On a eu peur de s'engager pour des années. Je n'osais pas vous le dire, mais rien que d'y penser, ça me donne envie de vomir. Oh, mais merci. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'en bateau, j'ai le mal de mer, voilà. Ah ouais. Et tu crois que sur un yacht de 30 mètres, tu auras moins le mal de mer, c'est ça? Ah, mais ils s'en foutent de ces yachts! Ce qu'on ne veut pas, c'est vous perdre comme ami. Copain d'abord, oui, merde, quoi. Ah non, nous, on est très déçus. On croyait que vous étiez des amis, des vrais amis, des amis pour la vie, hein. Copain d'abord, mon cul, oui. Mais est-ce qu'on n'a pas tout été là pour vous? Nous, vous aviez besoin de nous, hein. Si, bien sûr, mais... Nous aussi? Quoi? C'est vrai, nous aussi, on vous a toujours soutenus. Oui, tiens, quand ça n'allait pas si fort dans votre couple, par exemple. Oui, c'est vrai, quand Christelle a eu envie d'aller ailleurs avec son nouveau collègue du salon de coiffure, avant de se rendre compte qu'il était homo, lui aussi. Pourquoi lui aussi? C'est quoi cette histoire? Mais merci Juliette, mais tu es vraiment une bonne copine, hein? Non, mais c'est quoi cette histoire? Mais ne t'inquiète pas, tu ne vois pas qu'ils essaient de s'en sortir en foutant la merde dans notre couple? Non, mais excuse-moi, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Oui, toujours là pour nous aider, mon cul, oui. Toujours là pour passer des vacances dans la montagne, oui. Pourquoi il sera plus hein? C'est vrai qu'on vous a jamais demandé de participer aux frais d'entretien de la maison. Mais non, mais enfin, pour les courses, on faisait quand même moitié, non? Ah, mais quand même! Et maintenant, ils se rendent compte qu'on bronze très peu en Bretagne. On leur a peut-être proposé mieux ailleurs, va savoir. Oui, à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Ouais. Ou Saint-Rémy-de-Provence, plutôt. C'est pareil. Ouais. Ou alors, c'est quand je t'ai demandé de payer la moitié du bateau que tu as brusquement changé d'avis. Mais non, enfin, c'est juste que, en ce moment, financièrement... Allez, il vaut mieux qu'on s'en aille avant que je lui foute mon poing sur la gueule. Ah, non, c'est un culé. Non, je t'en prie, évitons les dérapages homophobes. Mais asseyez-vous, je vous en supplie. On ne va pas se quitter comme ça sur un malentendu. En plus, j'avais justement mis une bouteille de champagne au frais, spécialement pour vous. Mais oui. On ne va pas le laisser perdre, ce champagne. Thank you.
Allez. En souvenir des beaux moments qu'on a passés ensemble. Après, si vous voulez, vous partirez. Ok. On va le voir, votre mousseau, là, hein. Mais ça ne nous empêchera pas d'oublier ce qu'on pense vraiment de vous. C'est vrai, ça. Pour qui vous vous prenez, hein? Vous vous croyez vraiment supérieur à nous? Oui, parce que... parce que vous avez une cave à vin. Une cave à vin. Oui, bon, bah ça va, quoi. Parce que Vincent travaille dans l'informatique. Le web marketing. Oui, mais c'est pareil. Ouais. Et parce que Juliette se prend pour un écrivain. Non, mais écrire, mais c'est toute ma vie, vous comprenez. Et pour réussir dans ce business, il faut rencontrer du monde. Ben, c'est pour ça que j'ai eu envie de changer un peu d'atmosphère. De changer d'atmosphère, parce qu'on t'empêche de respirer, nous, peut-être. Mais excuse-moi, mais c'est pas ce que j'ai voulu dire. Pour moi aussi, mon métier, c'est important. J'ai de l'ambition, je l'avoue. Et c'est vrai que ça m'a peut-être fait oublier à l'instant où étaient les vraies valeurs, comme l'amitié. Hein, Juliette? Mais tu as toujours été jaloux de moi, oui. C'est ça, la vérité. Moi, jaloux de toi? Faut pas exagérer quand même, hein. Pourquoi j'aurais été jaloux de toi, hein? Enfin, avant que vous le touchiez, cet héritage. Ouais. Alors comment est-ce que le grand Vincent, à qui on vient de proposer une promotion dans sa boîte de marketing téléphonique, pourrait être jaloux dans un vrai maître nageur, hein? En fait, c'est du web marketing. Pour ce vrai, pourquoi je serais jaloux de toi, hein? Je ne sais pas, moi. Peut-être... parce que je suis sorti avec ta femme avant toi. Quoi? Tu ne le savais pas. Moi non plus. Non, mais c'était juste une histoire d'un soir. Quel soir? Dans cette fameuse boîte où l'on est sorti ensemble pour la première fois. Mais on s'était rencontrés l'après-midi même. C'est moi qui t'avais donné rendez-vous là-bas. Oui, bon, Patrick est arrivé le premier. Je n'avais pas encore de lentilles de contact à cette époque-là. Je n'avais pas mis mes lunettes et... Et alors? Il faisait noir dans cette boîte. Vous vous ressembliez un peu? Je ne sais pas. Ah oui, parce que tu trouves qu'on se ressemble. À l'époque, vous vous ressembliez. Et puis je n'avais pas mes lunettes, je te dis. J'étais déjà un peu pompette. Mais dès que tu es arrivée, je me suis rendu compte de mon erreur. Merci, ça me touche beaucoup. Mais c'est quand même avec toi que je me suis mariée, non? Mais j'espère que tu avais mis tes lentilles le jour où tu m'as dit oui. Mais alors comme ça, t'es sortie avec Juliette? Je te connaissais pas encore. Non, mais c'est juste un quiproquo. Je veux dire un quiproquo. Alors là, moi, je connaissais les femmes qui trompent leurs mecs, mais celles qui se trompent de mecs... Non, mais c'était avant que je sorte avec toi. Je croyais que c'était toi. Mais c'était le même soir. Tu es sorti avec deux mecs dans la même soirée. Ouais, mais je croyais que c'était toi, le mec que j'avais rencontré l'après-midi même, dont j'étais tombée follement amoureuse. Mais évidemment, quand Patrick s'est mis à me parler, après, je me suis vite rendu compte que lui, il n'était pas Bac plus 5. Après? Mais après quoi? C'est seulement en sortant de sa voiture, quand je t'ai aperçu sur le parking, que j'ai compris mon erreur. En sortant de sa voiture? Oh, d'accord. Et dire que moi, j'ai dû attendre 2 mois avant que tu m'accordes tes faveurs? Vas-y, traite-moi de salope aussi, hein. La lumière, il faudrait vous mettre dans la tête. Non, allez, on tourne un break, là, allez. Non, installez-vous. De camillons gratinés et son écrasé de pommes de terre. Ah, c'est du poisson pané. Allez dans la purée. Vraiment. Et ça se marie très bien avec le champagne. Bon, je vous resserre. Nouvelle fortune, vous l'avez bien mérité. Mérité, c'est vite dit, hein. C'est juste un héritage qui nous tombe dessus par miracle, hein. Je ne crois pas au miracle. C'est que vous avez dû faire quelque chose de bien pour le mériter. Cette vieille dame qui vous a couché sur son testament, elle a bien su voir que Christelle était juste quelqu'un de bien, comme dit la chanson. Juste quelqu'un de bien. Maintenant qu'on est milliardaire, comment on va faire, nous, pour
savoir que vous êtes des vrais amis. Et pas seulement depuis qu'un siècle, hein. Je vais aller voir si tout va bien à côté. Hein. Ouais. Allô? Oui? Non, c'est pas possible. Oui? Oui? Merci de m'avoir prévenu, oui? Oui? Au revoir. Un glissement de terrain à Concarneau. Alors, la maison, elle est engloutie par la mer. Oh, c'est une vague. Non. Oh, mon Dieu. Les vacances sont à l'eau. Oui. Oui, mais enfin, avec cet héritage qui vous tombe dessus, ça n'a plus d'importance, cette vieille bicoque à Concarneau. Cette vieille bicoque? Mais c'était la maison de ma grand-mère, moi. Non, mais enfin, il n'y avait même pas les toilettes à l'intérieur de la maison. Maintenant que vous êtes Monaco, ne nous dites pas que vous avez cru à une connerie pareille pour la villa de Monaco. Eh bien oui, hein. On n'est pas scénariste, mais nous aussi on s'est inventé des histoires. Eh oui, on vous amène un bateau. Eh oui. Alors, vous n'êtes plus milliardaire? Enfin, vous n'avez jamais été? Non. Mais non, tu vois, on est resté des prolos. Oui. Et en plus, maintenant, on n'a nulle part où partir en vacances avec la petite cet été. Mais alors, ta cliente au salon, mais elle n'est pas morte? Oui, ah oui, c'est vrai. Et c'est vrai aussi qu'elle nous a pas oublié sur son testament, hein. Elle nous a légué son caniche. Ouais, dans tous les cas, la pauvre bête nous coûte plus cher que sa défunte maîtresse. Je pense qu'on n'avait pas fini de payer les travaux. Mais quels travaux? On vous avait pas dit, on avait fait installer les toilettes à l'intérieur de la maison. Et maintenant, tout ça s'est engouffré dans la mer, comme si Dieu avait tiré la chasse. C'est vrai que c'était assez près de la mer. Je n'aurais jamais pensé que... Le réchauffement climatique. Mais bah, vous êtes assuré, non? Mais non, on n'a pas payé la facture pour pouvoir payer le bateau. Oh merde. Au moins, ça règle définitivement le problème des vacances en Bretagne. Ah oh oui, parce qu'avec ce marmot qui n'arrive pas de brailler, attends, tu imagines les nuits qu'on aurait passées là-bas? Ça n'aurait pas été des vacances, non, c'est clair. Enfin, si seulement ce glissement de terrain était intervenu 2 heures plus tôt, ça nous aurait épargné tout ça. Non, mais on ne peut pas les laisser tomber. Tu crois? Pourtant, je t'avoue que cette idée m'avait traversé l'esprit à l'instant. Bon, d'accord, ce sont nos meilleurs amis. Elle s'est rendormie. Ouais. Je ne sais pas comment on va faire, quoi, hein. Eh bien, pour commencer, on va mettre une croix sur les vacances, hein. Ouais, ça va pas régler mon découvert à la banque, hein. Déjà que j'avais dû faire un petit crédit en plus pour payer ma part du bateau. Crédit, non. Bah, tu penses bien que si j'avais eu les moyens de le payer tout seul, mais jamais je ne t'aurais demandé de participer, moi, hein. Mais pour le bateau, tu ne peux pas annuler? Eh non, le gars était pressé, il avait un autre client. Je lui ai juste demandé d'attendre un peu pour encaisser le chèque. Eh bien, le temps que Vincent me verse sa part. Vous vous rendez compte? On se retrouve avec un bateau et plus de maison pour en profiter. Je pourrais toujours faire du voilier tout seul, sur la Seine. Parce que j'imagine que maintenant ça t'intéresse plus de me rembourser. Mon frère Patrick, mais pour qui tu me prends? Mais quoi? Ben, on est des amis, oui ou non? J'avoue que je ne sais plus très bien, moi. C'est combien ce bateau? 6 000 euros. Ah, ah oui, quand même. Ah ouais, ça faisait 3 000 chacun. Bon. Tiens. Je te fais un chèque de 6 000 euros. Je te demanderai seulement d'attendre la semaine prochaine pour l'encaisser. Le temps que je vide mon livret A pour créditer mon compte. De toute façon, pour ce que ça rapporte un livret A actuellement. Merci.
Alors, si je comprends bien, tu vas payer tout seul un bateau sur lequel tu ne pourras jamais naviguer. Mais pourquoi? Il s'appelle comment, ce bateau, déjà? Les copains d'abord. Et ben alors? Et puis, crotte, on le fera quand même naviguer, ce bateau. Il y a bien des gîtes à louer pour pas trop cher du comté de Concarneau, non? Un gîte? Mais nous, on n'aura jamais les moyens de payer notre part de la location, hein? Ça fait des années que vous nous invitez dans votre splendide villa avec vue sur mer à Concarneau. Oui, enfin, maintenant, c'est plutôt vue sous la mer. Cette année, c'est nous qui vous invitons. Ouais. Mais vous êtes fous, vous allez vous ruiner, hein? Oui, bah, je vais commencer par revendre ma cave à vin. Pour faire raison, ce n'est pas de l'ordre de l'indispensable. Tu sais, Vincent, ces 3000 euros, je te les rembourserai, hein? Même si je dois vendre un de mes reins, hein? Mais avec tout le pastis que tu t'enfiles, je ne sais pas ce qu'ils doivent bien valoir, tes pignons. Il faut se rendre à l'évidence, on n'est pas sûr de pouvoir vous le rendre, votre pignon. Mais ne t'inquiète pas, les histoires d'argent entre amis, ce n'est pas ça qui compte vraiment, non? Je ne sais pas quoi dire. Hein. Eh bien, ne dites rien. Quoi? Qu'est-ce que je dis encore? Eh bien, c'est une blague aussi. Eh oui, la villa de Concarneau, elle n'a rien. Pourquoi? Mais vous avez l'air déçu. Mais pourquoi nous avoir monté un baraquet pareil? Et c'est vous qui dites ça. Mais on voulait juste vérifier que vous étiez de vrais amis. Et ça y est, maintenant, on le sait, on est fixé, hein? Oui, oui, maintenant on sait qu'on peut compter sur vous. Et si demain vous en avez marre de la Bretagne, mais vous nous le dites, mais tout simplement. Au lieu d'aller vous inventer des licenciements, des cancers et des divorces. Ben oui. Non, mais pas du tout. Bon, allez, c'est décidé. On part tous en vacances en Bretagne, comme prévu. Et le bateau? Il s'appelle comment déjà, ce bateau? Les copains d'abord. Ben alors, on le garde! Ouais! Bon, allez, on y va, Patrick! On a eu assez d'émotions! Allez, hein. Va chercher, la petite! Mais, au fait, c'était quoi votre surprise en vrai? Ah oui! La surprise! En fait, les enfants ont décidé de la date du baptême de Sabrina! Eh oui! Et ils voulaient faire ça cet été en Bretagne! Mais c'est ouais. Super! Et ils avaient pensé. À vous pour être le parrain et la marraine! Et vous êtes nos meilleurs amis, non? C'est pour ça que nous on était aussi déçus! Alors? Alors quoi? Mais vous acceptez? Hein? Oui, bien sûr! Juliette! Rien ne pouvait nous faire plus plaisir! Mais quand ça m'est parce que sinon je vais me marier et me mettre en pleurs!
Jean-Pierre Martinez, avec dans le rôle de Christelle Anne-Marie Bonzon. Et merci à tous et passez une bonne fin de soirée. Merci.